Salut tout le monde, l'autre fois, bienvenue pour une nouvelle playlist. Côté que nous allons enseigner, programmation web avec Python et JavaScript, qui c'est deux langages de programmation qui sont recherchés dans le monde actuellement. Ok? Nous souhaitons vous accompagner. Nous avons un travail qui est intéressant, nous allons montrer comment on peut héberger site port ou bien projet port dans GitHub ou bien qui pourrait servir comme référence. Ok? Nous allons aller premièrement et nous allons aller dans Google, n'a pas écrit GitHub. OK? Ça c'est page GitHub pam là, OK? Premier ça m'a fait m'a créer un repository ou bien une référence. Créer une référence, me cliquer nouveau référence, OK? M'a pris le lit m'a pris le programmation de programmation web avec Python JavaScript et JS. OK. The repository will be created. OK, une fois il est là, c'est Python, OK. Ça c'est nom ma bay repository là, Python et puis JavaScript. Voilà, ça c'est nom projet là, OK. On va faire une description capable dire c'est cours de programmation web avec Python et JavaScript. Alors, il aime du cours de programmation web avec Python et JavaScript là, on va parler de partie back-end, OK? Partie front-end, je connais la fête avec CSS et HTML, OK? Cours de programmation web avec Python et JavaScript. OK? M'a dit c'est un projet qui est public, c'est-à-dire la disponible pour vous-même et m'a initié là avec README qui c'est information sur référencement et puis me fait créer référence. OK. Quand il y a nous gain référence nous créer premier ça n'a fait nous pour aller pour nous capable connaître li ou bien prendre li pour nous mettre dans machine. On a fait cloner ou télécharger. Nous cliquons sur lui et puis nous copions le ça. OK? Et puis nous allons aller sur Google. Nous allons aller sur Google, on a écrit nous allons aller sur Google, on a écrit git download. Et puis on a cliqué dans le premier lien ça qui c'est git.scm et puis on a téléchargé et git qui est approprié avec système opérationnel que nous utilisons. Par contre, si c'est pas si c'est Linux ou bien Mac OS X ou bien Windows. Ou choisi en fonction des systèmes opérationnels ou à utiliser et puis ou télécharger dans machine. Lorsqu'on télécharger, ou va gagner comme ça, OK? Git. Ça c'est git pam là. OK, m'a sorti dans fichier ça m'était là. Premier ça n'a fait git, n'a pas écrit clone, git clone. Et puis link nous t'es copié à nous coller là, OK? Et puis me fait enter. Immédiatement, je vais gagner et je vais gagner référence à télécharger dans la machine. Je suis capable de mettre projet personnel. Je vais vous montrer comment chaque classe nous finit créer. Nous allons mettre dans référence nous dans GitHub. Pas oublier en tant que professionnel de technologie ou de gagner un compte GitHub. OK? OK, voilà. Quand nous allons aller pour nous ouvrir le projet, nous allons faire par exemple, nous allons créer le premier fichier nous.
Pardon, Gitch. On va créer le premier fichier noir. Par exemple, si on va un ls, après nous seulement gagner un rythme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ok, pardon. CD. Et qui n'en est gagné. Ok, c'est coup. Ok. On copie li. On va un CD. On va naviguer. Nous connaissons CD qui permet de naviguer dans un dossier. Non, et dans le folder qui gagne dans la machine. Nou, ok. On y a la pente. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, ls, desktop, nous fermons les mains, nous ouvrons Gitch, nous cabons avec Gitch, C'est vraiment intéressant, nous allons développer tout ça, nous allons développer, je dis en HTML et CSS, nous allons montrer. Et très bientôt, nous allons faire un avec Python pour nous enseigner et jusqu'à ce que nous arrivions à développer le projet. Nous allons faire un petit zoom. Ok, faire Gitch. On va faire CD. On va faire le directeur, ok. On va naviguer sur ls. Pour que j'aime là, ok. Pour que j'aime pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, qu'on y a nous fait CD. Parce qu'on y a tout bas, ok. Ok. Donc, on va remarquer, maintenant, le dossier blanc fait ls. Il montre seulement gagne un rythme. Exactement, si nous montons là, nous avons après nous seulement gagne un rythme. Qui c'est ça? Ok? Quand nous allons programmer, premier ça nous fait, nous allons ouvrir le basket. Projet noir. Nous ouvrons le basket. Open folder. Alors, on va chercher dans le directeur machine noir qui côté le fichier ça lié. Moi-même, je vais le voir. Benson. Ok, ça c'est. Ok, je fais sélectionner passe. Ok, nous avons remarqué, nous avons pris un premier fichier, nous avons pris un premier lit. Par exemple, nous avons pris un lit, salut. Pour moi, salut, je vais faire CTRL S pour nous avoir sauvé. Je vais salut. Point HTML. Ok, HTML. Et puis, fait. Premièrement, là, pour un tag HTML, on a écrit doc type. Doc type, qui signifie type de document. Et HTML, type de document, on a utilisé. Ok? Pardon, qu'est-ce qui ne va pas? Doc type. Ok, désolé. Je suis un petit là. Ok, on a besoin de mettre et ouvrir inférieur. Et puis, point exclamation, on a écrit doc type et puis HTML. Ok, et puis on a ouvri un tag HTML. M'expliquer toute partie ça déjà dans le cours développement web avec HTML et CSS. Dans la chaîne YouTube, Innovation Numérique. Qui c'est chaîne ça? Ok, quand y a, nous pouvons aller dans le QL. Ça c'est commande de base, une page HTML. Dans l'aide, nous avons gagné un tile. Ok, tile. Nous pouvons dire tile ça, ma page web. Ok? Ok, quand nous allons finir comme ça, et titre ça, c'est lui même qui apparaît dans le navigateur. Nous. Par exemple, nous allons ouvrir un navigateur pour nous faire. Ok, ça c'est navigateur, va me faire ça, va retirer tout ça. Ok, nous voyons qui côté ma page web là écrit, ça c'est titre ça. Que nous mettez dans le titre là. Là, on a fait recherche sur Google, rapide, la capable joindre la page nous. Quand on a écrit body, qui c'est parti côté, nous avons écrit code nous. Body, ok. On suppose qu'on a écrit là, salut tout le monde.
ou sale le monde. OK, si on regarde dans le navigateur web, nous on a après écrit salut le monde. OK, voilà, ça c'est façon où nous initier avec HTML. Nous fait save quand on a venir dans Git, nous on pour nous capable et transférer fichier ça dans et référence HTML, dans référence GitHub nous. OK, qui c'est une plateforme professionnelle côté qu'on a disponibiliser tout projet gain pour entreprise. Pour moun kap chèche et développer capable ouais tout ça déjà fait. OK, je dis à n'importe entre vous pas passer à mando non GitHub, non GitHub pas c'est Ibenson, de voir le cliquer Ibenson qui c'est non user là ou a joindre moi après tout projet personnel moi développer. OK, qu'on y a imaginé là nous gen sel readme hein. OK, mais qu'on y a nous voulons et transférer dossier nous à peine se créer fichier nous à peine se créer non et référence nous qui comment on a fait ça, on a venir dans GitHub. N'a venir dans Git, n'a écrit Git add. Premièrement, n'a ba yon ls pour nous voir s'il existe vraiment. Nous ka voir l'exister dossier rele salut.html. Dossier rele salut.html. OK? N'a venir konya nous a faire Git add et puis n'a mettre nom dossier. OK? Non fichier, pardon, fichier c'est salut.html, c'est un fichier qui a une extension de HTML. Et là nous dit git add, c'est-à-dire nous dit git additionner dossier fichier ça pour moi dans référence moi gagner dans GitHub. OK, qui c'est dans référence qui c'est cours de programmation web avec Python Java. OK, me fait enter. Qu'on y a deuxième bagage m'a besoin commenter, m'a fait git commit moins m et puis m'a écrit commenter là par exemple m'a dit premier programme m'a capable dit code 1 comme car il ça par exemple m'a capable dit programme 1. OK, on dit programme 1 et puis me fait enter. OK, qu'on y a le dit, nous capable il dit git commit project, il dit master bfc programme 1, il dit fichier la changer pour gagner un nouveau commentaire. Qu'on y a bon faire un git status juste pour ca ouais, statut tout ça me saute faire exact, il dit me gagner un commentaire qui fait pas master. Master c'est mon qui crée branche. OK, c'est moi créer branche, c'est-à-dire c'est master branche. OK. Imaginez qu'on y a me fin faire ça, me besoin voyez fichier aller dans référence moi m'a fait git push. Voilà, il est terminé la pas la dit ça. OK, il dit total exact, c'est-à-dire il voyez il aller avec six. Nous va aller connia dans page noire, nous actualiser, n'a pas loin nous gagner. Voilà, nous gagner salut.html qui c'est code ça. OK, je pense que c'est très simple, nous comprenons. Et tout projet nous allons créer, nous allons voir tout dans la référence nous gagnons dans GitHub. OK, qui c'est cours de programmation web avec Python JavaScript. Qui c'est une référence. OK, quand nous allons créer un deuxième fichier, nous allons faire touche. Nous allons le fichier ça en tête ou bien titre. Titre. OK, point. HTML. C'est-à-dire comment nous allons utiliser titre, comment nous allons mettre titre ou bien en tête non et bah moi en tête de préférence en tête point HTML. OK, me faire un ls. OK, nous allons avoir un deuxième et fichier qui créé qui c'est en tête point HTML. Nous venons dans bracket, ma le fichier nous déjà là. OK, nous allons copier même élément ça, m'utiliser là parce que c'est forme universelle. En tête, existait 6 formes de en tête en HTML. Première en tête là, c'est H1. H1, grave dit c'est en tête numéro 1. OK? Gagne H2. OK, qui c'est en tête
numéro 3. M'pa met accent, m'pa besoin inquiéter pour ça ni critiquer. M'a juste pas choisi mettre, OK? Quand y'a m'gen yon H3, m'a capable de dire OK. M'gen yon H3, quand y'a m'a capable de dire yon en tête. 3. Ça c'est 2. Pardon. M'gen yon qu'on y'a yon H4. Ça c'est yon en tête. 4. OK, m'gen H5 c'est en tête 5. OK, m'gen H6 qui c'est dernier en tête nous capable utiliser HTML dans façon ça, on capable dire c'est en tête 6. Voilà. Supposé que nous voulons en aller, nous parlons de différence là. N'a prendre gain en tête 1, numéro 1 en plus grand, en tête numéro 2 en petit j'en diminué jusqu'à ce qu'il arrive en tête numéro 6. Qui c'est en tête qui pipiti a pas existé vraiment. Imagine qu'on y a ta mette en tête 7. Qui pas existé vraiment HTML. N'a pas le qui ça la montre. En tête 7. Il dit, il mette l'en forme normale. Il montre pas existé, ça pas existé vraiment HTML. Et en tête niveau de degré, il arrive jusqu'à 6. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ok? Mais ce n'est pas ça, nous comprenons. Et c'est tout ça de côté pour nous partir en tête en HTML. On y a un almeteli, un alvoe l'ale, nan référence noan nou gen nan GitHub. Premier, on va faire GitHub ADD. Et puis, on a écrit nan dossier en tête. Ok. On y a fait GitHub commit. Moins M. En tête. En HTML. Ok. On y a fait GitHub push. Pardon. Voilà. Et OK, si nous venons, on a un troisième fichier qui a en tête .html. Et on a regardé, il y a exactement tout ça nous mettre. Ou même qui a regardé vidéo ça pour aller pour télécharger projet ça et puis exécuter la machine pour voir comment ça fonctionne. OK, on a mettre link disponible en bas vidéo là et nous encourage vous faire commentaire, assister vidéo, réassister et pratiquer pour capable bien habilité. Quand on a venir dans kit nous on a créé un autre et fichier, on a dit c'est touch. On a pris le fichier ça image.html qui c'est une extension HTML. On va voir comment nous capable utiliser image. OK? On a venir dans kit. OK? On a effacer ça. Comment me dit nous capable créer non pardon 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 image OK image pardon OK nous na image n'a un salut n'a copier salut n'a toujours copier salut pour commencer image OK et pour nous reler une image dans HTML nous écrions une ligne de code qui c'est image src. Non image donc pour le moment nous pas gagne image nous pas télécharger une image on va aller sur Google on écrit Google on écrit Haïti Haïti image OK nouveau guia OK c'est comment et on va additionner le fichier non usual mention bon voyons l'autre nom Mélanie Haïti OK nous avons une bien image en konya et c'est venu dans image. Gabriel image on connait on va dire haiti.png. On ferme li. OK, nous va remarquer là, on va ouvrir image on va remarquer page moi, il y a avec image moi là-dedans, OK? Mais nous image très gros. OK, qui ça on va faire connait pour capable diminuer image on va utiliser un relief. Par exemple
nous avons utilisé un relief de 300, par exemple 200, pour ne pas trop exagérer, 200, nous avons pris 300, pour nous avons bien 300. Nous avons utilisé un hauteur aussi, nous avons dit height de 280. Ok? Voilà, ça c'est façon nous relayer une image dans fichier HTML, ok? Nous utilisons un tag qui est img, après nous utilisons src égal, nous ouvrons apostrophe et puis nous mettons et direct et chemin image nous. Par exemple, si nous avons un dossier qui est l'image, nous avons mettons dossier et puis bas, nous fichier image là, ok? Ça c'est façon nous utiliser image. Quand nous parlons dans Git, pour nous capable voir le dossier, nous allons faire Git add qui c'est image, ok? Et puis, on a fait git commit moins m, on a fait un commentaire, on a dit comment utiliser image, comment utiliser image dans comment utiliser image. Ok, ça c'est commentaire noir, on fait ok, quand on a fait git push, on va voir là, ok. Voilà. Si nous venons là, pardon, nous passons par ici. Si nous venons là, on a pris un quatrième fichier qui c'est image.html. Ok? Image.html. Ok? Exactement. Ok, nous continuons, nous allons aller dans Git pour nous capables de créer un nouveau dossier. On a fait Git, on a fait touche, pardon. Touche. Et on a fait le link, lien. On a le lien, parce qu'on va utiliser le lien. Point.html. Et c'est marron LS. On a pris déjà existé. Ok, on a continué. Nous allons aller dans. Nous allons aller là. On a pris qui s'en décrit. On a pris le lien. Côté lien. Lien. Ok. Par exemple, comment nous relions lien? Lien, nous utilisons tag qui est A. Ok, A. Il permet tout capable. Il permet tout capable. Faire un lien HTML. L'enfin ouvre tag A. Nous utilisons une fonction qui c'est HR. Et F et puis nous mettez link noir. Par exemple, si nous gagnons un link interne, si on dossier interne, nous capable mettre dossier non dossier non fichier pardon. Mais si nous pas gagne, nous devons mettre par exemple Google qui ça nous ca faire. Nous ca mettre un nous ca mettre un lien site par exemple https://www.google.fr. OK? Et puis nous fermer. Nous sommes capables de dire par exemple, cliquer pour aller sur Google. Ok, nous allons exécuter pour nous, on va venir là. Nous sommes capables de dire, écrit, cliquer pour aller sur Google. Laissez un lien, il montre nous un petit doigt et il change couleur. Ok, si nous voulons cliquer pour aller sur Google, nous cliquons exact, après Google, page Google là, approuvé. Qui c'est? Lien ça nous mettez dans taxa. Ok, ça c'est toute partie ça nous voulons montrer sous lien. Pas oublier nous pas expliquer tout bagage en détail parce que nous avons une playlist qui explique de A à Z comment capable utiliser bagage ça. Sous point qui comprendre à l'assister pour nous dans et playlist nous gain développement web avec HTML et CSS ça. Ok, pas oublier nous faire repasser ça juste pour nous capable commencer programmer bagage qui plus intéressant et qui plus professionnel. Ok, nous allons aller dans Git pour nous capables de mettre le dossier ça. On va faire Git, add, nous tirer le lien. Ok, on va faire Git commit. On va faire commentaire noir. Comment utiliser lien en HTML. Ok, on va faire Git push. Voilà. Et quand on a nous capable fin nous venir là n'a pas gagner n'a pas nous gagner quand on a dans Gitchon, OK? Ouais. Ça yo online n'importe monde capable ouais ou quand on a n'importe monde capable aller ou même j'espère qu'on dès que me fin mettre tout bah ça disponible dans chaîne YouTube mais on met aller à télécharger pour capable pratiquer la carrière, OK? Si toutefois gagne question écrime entre dans le groupe WhatsApp moi pour capable aider avec ça.
Ok, quand y a navini n'a créé quand y a un autre dossier, y a un autre fichier n'a créé liste. HTML. Ok, list.html. Nous voyons comment nous allons utiliser liste. Comme les n'a pas parlé des listes, nous voulons parler des listes ordonnées et listes non ordonnées. Ok, si nous voyons ls, nous allons visualiser. Mais après, nous avons une liste qui existe. Nous allons aller dans éditeur de code, moi, on va choisir liste. Ok. Ok. Premier, ça, on a fait, nous avons créé une liste. Et liste, ça, on a créé une liste non ordonnée. D'abord, on a balayé un titre. Nous avons une commande café site, on a pris le H1. On a dit liste non ordonnée. OK, liste non ordonnée. Pour nous commencer une liste non ordonnée, c'est IL qui c'est inordered list. Inordered list, OK? IL nous ferme et en dans ligne on a bien LI qui représente chaque élément dans liste non, LI. Par exemple, nous capable dire item numéro 1. Nous capable dire on item. OK. On prend deuxième LI en dedans liste non capable dire another item. OK. Donc on va venir qu'on y a un autre LI, donc on va dire un autre item. OK. Un dernier item. OK, donc on va remarquer ça c'est une liste. Si on liste non ordonnée, pour qui ça nous dit si on liste non ordonnée, on ouvre pour nous voir quoi qui ça le montre. OK, c'est une liste. Nous avons dit si on liste non ordonnée. Pour qui ça si on liste non ordonnée? Parce que il n'y a pas noté 1, 2, 3. Il dit juste mettre un petit point qui a changé. Et m'expliquer tout ça déjà dans le cours HTML nous on al garder qu'on y a nous pas créer une liste ordonnée. Une liste ordonnée, il commence OL qui veut dire ordered list. OK? Mais avant de parler un titre, on relie H1 liste ordonnée. Okay, liste ordonnée, il commence avec OL. On va un espace pour nous faire. Sinon, pas trop, on va un petit zone tout petit. OK, on va ça un petit zone tout petit. Tout. OK, ça c'est une liste. Ça c'est une liste ordonnée qu'on a. Bon, pour même élément ça pour montrer nous comment une liste ordonnée fonctionne. Parce qu'il y a même LI en dedans. OK. Ça, c'est une liste ordonnée. Pour qui ça, c'est une liste ordonnée? Parce qu'il y a numéro 1, 2, 3. OK. En dedans, liste non ordonnée. En dedans, liste ordonnée, nous pouvons utiliser une liste non ordonnée. Par exemple, je vais utiliser ça là. Donc, après, quand il y a en dedans, nous avons une liste. Et. On capable gagner une liste ordonnée tout en dedans une liste non ordonnée. OK, ça va faire différence dans. Je souhaite nous comprendre partie ça comment nous utiliser liste ordonnée, comment nous utiliser liste non ordonnée. OK, et c'est classe ça nous te préparer pour liste qu'on a nous parler pour capable voyer dossier non. Allez, OK, dans le git add liste git commit sm
liste. On va donner. Et liste. Git push. Comment on va voir le signal, ok? Voilà. On va voir qu'on a un nouveau dossier qui c'est liste, ok? On va voir liste, ok? Voilà. Qu'on a nous pas créer un autre. Oui, ça va voir pas voir le. On va créer un autre dossier samedi. Push. On a le web qu'on a comment nous pouvons utiliser. Comment nous pouvons utiliser CSS qu'on a, ok? On a créé un style. On dit style ou bien CSS1. On est le style. Ok? Style 01, on a dit point html. Ok, ls. Voilà, on va le créer. Ok, on va venir dans la boîte de noir. On va chercher lui. Le style 01. Ok. Pardon. Salut. Ok, style 01, nous parlons comment on peut utiliser CSS. On prend par exemple. On prend par exemple, première façon nous peut utiliser CSS. On crée un titre. On crée un titre et titre ça nous après le lien. H1. Nous avons le style. Oh, pardon, désolé. On crée un titre d'abord. On crée un titre. Bienvenue dans ma page web. Bienvenue dans ma page web, ok? On crée un titre. On est capable de créer un autre titre. Addition HD. On va dire maintenant c'est un deuxième type. Ok. Pour créer un paragraphe, on y a P. Paragraphe, nous créons paragraphe. On va dire salut. Salut le monde. Et puis, virgule par exemple. Salut le monde. Qu'a dit voici un paragraphe. Ok, on va créer un autre paragraphe. On crée un paragraphe, nous ouvrons tag P, nous fermons P et puis nous écrivons paragraphe à l'intérieur. Qu'a dit voici un autre paragraphe. Ok, voici un autre paragraphe. Ok. Si je télécharge, si je fais save, je vais voir. Ok, mes amis, bienvenue dans ma page web. Un deuxième titre. Salut. Pardon. Salut le monde. Voici un paragraphe. Voici un autre paragraphe. Ok. Quand on a voulu mettre une couleur dans le paragraphe, on a fini là. Ça veut utiliser CSS en live. Ok. Qui veut dire dans le même tag, ou utiliser CSS. Pour utiliser un CSS non tag, on va venir dans la première partie tag là. Et à l'intérieur, en dedans, on va un espace, on va écrire style. Et puis, on va écrire qui sont voulez attribuer, quelle attribution vous voulez faire avec tag. Par exemple, je vais mettre une couleur, rouge. Ok? Je vais mettre une couleur rouge, donc on va remarquer qu'on y a un rouge. Par exemple, je vais dit tout, je vais centraliser, je vais mettre point virgule, je vais dit X. Text align
égal center. OK, si me venir qu'on y a un bail qu'est-ce qui ne va pas mais qu'on va qui pas correct texte point virgule. Text align. Ok, ok, ma poè qui ça. Oh, désolé, désolé, je fais un erreur. Ok, ok, ok. Dimbi à papa. Ok, qu'on y a, c'est correct, ok. Ok, c'est correct. Qui ça en a fait immédiatement nous ouvrir? Texte. Ok, style. Et puis texte online. Ok. Par exemple, nous avons mis une deuxième attribution. Ouvert ma petite texte. Align. Center. Ok. Immédiatement, nous avons un texte, mais il est centralisé. Ok. Il est centralisé. Par exemple, nous avons le deuxième titre, il y a une couleur. Tout, ma vie, nous avons fait style. Et bleu. Une couleur bleue. Ok. Si je veux centraliser le tout, je dis texte. En ligne, center. Ok, je vais centraliser. Si je veux faire un paragraphe, je vais faire même bagarre, je vais faire style. Je dis color. Deux points. On va faire une couleur. Ok. Donc, je vais paragraphe, je vais couleur. Ok, je vais faire un petit zoom pour nous faire. Ok. Utiliser CSS dans façon sale, pas une façon professionnelle, parce que généralement CSS nous doit un fichier différent, mais quelquefois nous ka commencer à apprendre dans façon sale. Bienvenue dans ma l'écrit, bon corriger. Bienvenue. OK. Parce que des fois on a besoin utiliser CSS interne juste une fois dans site nous, mais il pas en façon professionnelle, OK. Ça c'est façon capable utiliser CSS online, inline. On a le voie et dossier ça aller. On a fait git add style. Ok. On a fait git comment utiliser CSS online. Ok. Ok, on fait git add git push. Ok, on va voir l'aller et ok, qu'on y a bien yéni dans dossier, non, dans référencement. Qu'on y a map créé et y a une autre forme CSS. On va dire ça, on le style 1, on a créé ce touche style 01 HTML. Pas oublier, je parle rapide, je ne vais pas détailler parce que je déjà expliqué partie ça dans une playlist dans la chaîne YouTube qui est Innovation Numérique. Et pas oublier abonner, pas oublier like, pas oublier faire commentaire. Et à l'assister développement web avec CSS et HTML, mais je prends un peu de temps pour m'expliquer parce que c'est playlist de base. Ok? Et quand nous avons un projet qui est un petit peu plus compliqué, et très bientôt nous allons commencer à programmer le site ensemble avec vous. Et online, nous pensons que ça pour aller une bonne occasion pour apprendre à développer un site complet de 0 à Z. De A à Z, pardon. Ok? Nous créons l'autre fichier qui est style01.html. Ok? Nous allons LS pour nous remarquer. Ok? Lila. Ok? Ça c'est lui-même. Ok? On va venir dans Bracket. On va chercher style01. Ok, style 01 existait déjà. Pour raison ça, il n'est pas créé. Ok, on a besoin de créer li avec un 02. 02, ok? 02.
Voilà, 0D, il n'y a pas existé, il crée libre. Ok. Nous avons fini dans HTML, dans boîte sketch. Ok, on copie, par exemple, 0D. Ok. Style 0D, comment nous utiliser style? Et qui relè inline, ok? Gardez, c'est un style inline. Ok. Par exemple, bon copier partie ça. On va juste pas recopier encore. Ok, on retire CSS nous. Ok, nous retire CSS nous. Qu'on y a pour nous utiliser style. Et pour nous utiliser style nan tag nous yo, nous ka vin la nous ok nan côté nan head qui c'est yon tag qui réservé pour nous ka brele JavaScript CSS SAS puis devant nous va la prendre nan vini par exemple on y a nan fait nan ouvrir nan style nous fermer et en dans style nous nou écrit tout CSS nous par exemple H1 nous voulons le tag H1 nous qui ça nous débat l'italien débat en couleur n'a dit color head ok du point virgule nous débat en texte online nous te centralisé n'a dit center ok voilà si nous remarquer qu'on y a si nous remarquer n'après après pratiquement nous gagnons centralisé ok. Par exemple, nous avons fait ça dans HD tout. Nous faisons même bagarre là, HD. Nous copions. Et puis nous changeons nos HD. Nous balayons couleur bleu. Ok, nous avons immédiatement HD droit, il y a un titre, il y a un bleu. Par exemple, nous avons fait dans P. Ok, nous avons fait dans P. Quand il y a fait dans tout DPO parce que. Nous pouvons apprendre comment nous pouvons faire chaque pénou non pour nous relier spécifiquement. Ok, on va me dire que nous avons une couleur. On va une couleur marron. Crimson. Ok, nous avons remarqué que nous avons une couleur crimson. Ok, voilà, ça c'est la deuxième façon nous avons utilisé CSS dans le site noir. Ok, quand on a un soubi, on a le voué là, référence nous gagnons dans le chat. Git ZOD, on fait git commit. CSS interne, ok? On a fait git push. Ok, on a nous voir comment nous allons résoudre le problème. Nous, par exemple, si nous avons DP, des paragraphes, nous avons chaque paragraphe ça a une couleur différente. On a nous voir utiliser ID, ok? On écrit touche ID. HTML. On va essayer de créer. ID.html. Ok. Ça va. On va venir. On va aller. ID.html. Avant, on va aller dans Hello. On va copier et puis on va prendre ID.html. Pardon. On va copier même ça. HTML. Suppose, on imagine qu'on y a un table, mais qui ça qui a ID? Par exemple, un table premier paragraphe avec une couleur différente, qui deuxième, je vais venir écrire ID dans paragraphe MBA, et puis je vais un nom, je vais dire paragraphe 1. Ok? Pour moi, les ID dans CSS, je vais premièrement mettre symbole numéro, et puis je vais mettre nom ID, je mettre dans paragraphe, et puis je vais et clé par exemple d'avril qui en couleur et jaune on dit color yellow
OK, on va en couleur yellow. On va en couleur, on va voir prendre yellow. Désolé. OK, yellow. OK, nous allons immédiatement gagner en couleur yellow, OK? Ça c'est façon nous reler ID. Par exemple, si m'ta vle, si m'ta gagne plusieurs H1, m'ta vle chaque H1 yo gagne un style différent. M'ta mettre un ID et puis m'reler H1 yo, OK? Par exemple, si m'ta vle mettre un autre paragraphe différent, faire même processus là, OK? C'est ça c'est façon nous utiliser ID, OK? Ça c'est classe ID noir qu'on y a pas mal mettre dans Git. Non, pardon, Git. ADD. Un instant. Ok, Git ADD, comme on dirait, c'est style de 0D. Ok. HTML, non ID, pardon, git commit, comment utiliser ID, OK? Push. OK, qu'on y a un peu comment on va utiliser une classe parce qu'il y a un ID unique, on va utiliser un ID non tag et puis après vous nous réutiliser même ID à non l'autre tag. ID li unique, mais une classe il doit utiliser pour plusieurs monde. Par exemple, dans un bus qui gagne deux types de monde, gagne garçon, gagne fille. Chaque place dans bus là c'est un ID parce que deux moun pa ka chita dans même place en même temps, OK? Soit yon chita ou l'autre pa chita. Mais si n'a parlé des classes, nous ka di gen deux types de classes, gen classe garçon masculin, gen classe féminine. Si a regroupé, yo ka mette tout garçon ensemble, yo ka mette tout fille ensemble, OK? M vle comprendre concept ça et m'expliquer ça très bien dans cours HTML CSS développement web, OK? On crée on a touche passe .html. OK. On va venir dans bracket. On suppose qu'on y a et paragraphe noir, nous voulons une classe. Qui ça n'a fait n'a seulement retiré caractère nous te mettre on a pour nous mettre un point et puis on va venir là nous pas écrit encore n'a écrit classe. Imaginez classe ça on doit utiliser non. Va mettre un troisième paragraphe. Nous devons utiliser le premier paragraphe là avec le deuxième paragraphe. On va seulement copier partie ça. Ou bien, on va écrire pour nous. On va venir là, on va mettre espace, on va mettre classe. Et puis, on va écrire paragraphe 1. OK, nous allons voir ni le premier paragraphe ni le deuxième. Il y a bien même couleur. OK, voilà. Nous allons voir exactement samedi à l'arrivée parce que nous utilisons une classe. Quand utiliser classe là, non. Autant de tags possible dans le site. Même si c'est un ID, je ne peux pas utiliser dans un autre. Je n'ai pas besoin de créer un autre ID pour. Ça, c'est une façon où vous utiliser classe. Ok, nous espérons vous comprendre. Lorsque vous avez un nom classe, vous commencez par point. Lorsque vous avez un nom ID, vous commencez par symbole numéro. Ok, c'est parti ça vous de comprendre. Par exemple, si vous avez un font size, vous avez un font size de 20 pixels. Ok. Ma grandi paragraphe mwen yo, deux paragraphes mwen yo. Après au pigo qui deuxième, on va dire 25. OK? Nous avons un paragraphe mwen yo go par rapport avec deuxième là qui pas rien classe là. Voilà, ça c'est façon qu'on va utiliser classe. On a l'additionnel dans git, OK? Git add class. Git commit.
comment utiliser class. Ok, on peut faire git push. Voilà, on a si je viens dans référence dans git, je vais prendre un pile dossier là-dedans par rapport avec tout ça que vous mettez. Ok, nous, voilà. Et puis ça, c'est commentaire. Combien de temps ça gagne depuis que je mettez. Ok, voilà. Nous espérons que vous allez pour télécharger le projet ça. Et c'est un projet qui a vidéo. On a continué. On a nous créé un autre fichier. Après le git, après les touches, on a dit comment on va utiliser div span. Ok, div span. Ok, point HTML. HTML. Ok, div span. Ok, div span, nous allons venir dans brackets. On va retourner dans brackets. Nous allons comment nous allons utiliser div span. Pardon, basket. Salut, on allait dans salut avant, nous allons copier. Nous allons aller dans div span. Ok, div span. Par exemple, div span, comment nous utiliser div span. Div lui permet de nous mettre et plusieurs éléments, yon en balot. Span lui permet de nous. Mettez éléments yon à côté de l'autre, ok? Par exemple, bon, créer un div. Bon, créer un div. Bon, créer un div. Et en dedans div ça, m'a écrit par exemple, voici. Voici mon page, ma page web. Voici mon page web. Ou bien voici voici le top de ma page. En ligne. Voici le top de ma page web en ligne. OK? M'ta vle créer un autre div. Et div ça m'a fait qu'on l'autre bagarre là-dedans. Par exemple, j'ai dit voici le milieu de ma page. Ouais, ok. J'ai dit, j'ai créé un troisième. J'ai dit un div, qu'on y a, j'ai dit div. J'ai dit voici la fin. Ma page web. Ok, imaginez nous gagnons div ça par exemple nous balions id premier nous balions id après la id ça top deuxième nan, nous balions id tout après les id milliers. Ok, troisième nan, nous balions id nous et le fin. Quand on a venu là, on est capable d'ouvrir style, on est capable de mettre CSS. On t'a enseigné nous, style. On va ouvrir les ID, symbole numéro, top. On va ouvrir. Ok, on va balayer font size, par exemple. Font size. Mm, 30 pixels. Ok, on va balayer couleur aussi. On va aller en couleur rouge. Ok, on va venir pour moi comme invité. Ok, voici le top de ma page. On va aller 20 de préférence. Ou bien 25. Ok, voici le top de ma page. Ok, on a un millier à Konya. On va aller le millier. Par exemple, milieu. On va aller baler en fond size. 20 pixels par exemple, en couleur bleu. Ok, d'avril bali. Ok, par exemple, je quitte le bon sens, c'est mon bali font size. Et puis, je fais un
fin. Nous avons balayé un font size de 12 pixels, 15 pixels. Vous pouvez remarquer, ils font diminuer. Par exemple, quand on a utilisé une classe pour me faire message. Par exemple, pour me prendre top, pour me prendre milieu, pour me prendre fin. On imagine qu'on a utilisé un span là. On vient de faire span. On ferme. Top. On a écrit top là, le milieu. Le span, on vient de là tout. On fait. Span. On vient là, on met une. Fin, on vient là, on fait. Span. Imaginez qu'on y a, nous pas, ouais, pas une pièce différence qui fait. Imaginez que vous attribuer une classe pour chaque, pour m'utiliser dans le même, dans le tout. Je vais vous mettre un ID parce qu'il y a même attribut, je vais seulement utiliser une classe. Ok, je vais venir faire classe. Je vais ouvrir les classes à name. Ou bien non. Ok, même classe à, je vais répéter dans tout. Je vais venir là tout, je vais écrire classe. Class name. Non, non, pardon. Ma vini là, ma fait même processus là, ma fait class. Non. Ok, quand y'a un bon travail, là ma vini, ma pris des classes. Moi, les classes à 6 points, et puis non, classe là, c'est non. M'da vle bali, on font raid. Font raid signifie yon forme de fond. Moun ki kon wot bien yo, par exemple, bien solide, bien arial, m'aprele sa board. Mette l'an gras. Ok? Par exemple, ta vle bal yon couleur. Voilà. Blue. Nou pa lwe diferansan. Exact. Se diferansan m'de vle moun de nou. Se entre span et div. M'utilize yon div. Parce yon div. Et li permet nou kapab. Gen l'autre façon comme qu'on va utiliser span avec div, OK? Voilà. Ça c'est façon nous qu'on va utiliser span. Et je pense que gen ba qui est intéressant pour faire, on va additionner ça dans Gitch. Gitch add div span fait Gitch commit. Comment utiliser div et span? Ok, glitch. Push. Voilà, quand nous allons créer et un autre fichier, nous allons le form ou bien fond. On a le fond, après on a fait form là. Si nous allons le fond, nous allons voir comment nous allons utiliser fond. HTML. Ok, on va venir là. Avant bon salut fond. Ok, fond qui ça fond, on a seulement utilisé CSS pour nous montrer une commande nous fait fond dans le style. Ok, par exemple on crée un div pour Hello World, on met, et salut le monde, on crée, on met un dedans un div. Ok.
Ok, en crayon div, on dit div. Ok. On écrit hello world. Ok. Par exemple, quand on vient entrer par div, nous on prend div parce que c'est un tag, on peut seulement utiliser nom. Div, on va aller en font family. Font family. Font family, nous capable mettre trois attributions, OK? Premièrement, nous capable mettre type de texte, c'est Arial qui en pile nous qui remet et Word, nous connaît ça bien sans serif. Et on a mis une autre attribution, on a mis un font size. Par exemple, font size, là, on a mis 25 pixels. Ok, nous avons mis un font rate, que nous utilisons déjà. Nous avons mis un bold. Si nous venons là, nous avons mis écrit en gras. Et le word! Ok? Ça c'est façon qu'on peut utiliser font, OK? On va l'additionner gitch. Font gitch image. OK? On va envoyer un message. Rapide. Ok. Gitch. Amy n'a fait un commentaire. N'a dit fond. Comment utiliser fond? Ok. On a fait gitch push. Voilà. Et qu'on y a, nous pouvons voir comment nous pouvons utiliser forme. Ok? Gitch touch. On va créer un fichier. Touch. Forme. HTML. Ok, nous pouvons voir comment nous pouvons utiliser une forme. Côté forme. Ok? Forme. Pour utiliser forme, premier ça nous fait nous écrit forme, non ta classe forme même, forme, nous fermer et forme nous li avant dedans. Généralement yon forme gen un input qui c'est yon entrée de données input type de entrée la gen par exemple c'est yon texte. Mettez texte. Tout c'est en anglais, OK? Par exemple, nous avons moun nan wè ki sa dwe tape nan input sa. Nous capable écrit par exemple place order full name non complet, OK? Et puis nous capable bay input nou an yon nom, n'ap di name. Nous capable rele c'est non complet. Là nous avons utilisé CSS, nous parlons important ça, OK? Par exemple, nous écrit nom complet. Deux points, OK? Nous fermons ça, nous mettre un BR juste pour nous capable une nouvelle ligne BR. OK, nous va gagner l'autre input. La petite password. OK, on capable dire place order m'a mettre là dedans là c'est taper votre password, votre mot de passe. Bon, ça m'a écrit mot de passe. OK.
OK, m'a balé un nim tout. Nim. Pass. OK, passe. Fermé. Ça c'est en forme qu'on y a mettre un bouton pour capable envoyer les nous fin rempli, OK? On va mettre ces boutons. C'est bouton. Et puis, on va envoyer. Ok, donc on va voir qui ça va. Voilà. On va mettre un BR. On va gagner un nouveau ligne. Et puis, là, on a fini, on a écrit mot de passe. Voilà. On va avoir une forme noire créée. OK? Ça, c'est une forme. OK? Si on veut mettre dans l'autre espace, on va utiliser un BR. Mais on va faire ça avec CSS directement. OK? Voilà. Ça, c'est une forme. Nom complet. Ibenson. Augustave. Après la bien forme c'est un la bien forme mot de passe il va montrer ça m'a tapé, OK, parce que mettez un type password, OK. Voilà, ça c'est tout ça développé mon tour sous forme, OK. Nous espérons à l'assister vidéo dans playlist web développement web HTML CSS là, parce que nous expliquer toute partie ça en détail, OK. On a additionné dans Git pour capable gagner disponible par pour même pour pratiquer Git ADD form. Et puis git commit msm formulaire en html. Et git push qu'on y a, nous pas créer, nous voilà comment nous capable utiliser size. On a les dossiers dans size, on a les fichiers ça size size html à venir dans brackets, nous les size catégorie size size. OK, on a comment nous utiliser size par exemple on considérer ça le monde là, la mettre dans un div. Salut le monde. Vous mettez li dans un div. OK. Par exemple, si nous avons mettre size, nous capable venir là pour mettre un CSS. Style. On a venu dans le div. Ok, on a balayé un background. Premièrement, background. On a balayé un background. Tire. Ok. Si on a regardé qu'on a, on a déjà balayé le background. Ok. On a venu dans le balayé un largeur. C'est relief. Relief. Un bali de 400 par exemple, 400 pixels, 300. OK. Pixels. Un bali en hauteur de 200. Text online center. Nous centraliser texte noir. Si nous voulons le centraliser dans plusieurs angles, nous gardons center.
OK, nous centraliser texte. Moi si nous avons balé un image, nous avons dit imagine top. Vingt pixels par exemple. Dans si nous avons balé texte nous en une image par rapport avec avec le size nous créons, nous disons c'est padding top de 50, 200, de 10. Ok? Mais si nous comprenons pas ça, exactement c'est ça que je voulais montrer nous. Je vais mal mettre l'élément ça dans le kit disponible pour nous si nous voulons pratiquer. On va copier coller, ok? On va venir dans Git, on va faire Git add size html, on va faire Git commit sm push. Voilà, et on a nous parler comment nous allons utiliser board. On a fait une touche pour créer un fichier, on crée des board. Board.html. Bot.html côté bot. Bot. Ok, bot. Tiens. Ok. Nous voilà comment on va utiliser bot. Ok. Par exemple, nous avons un texte qui c'est Hello World. Nous mettons dans un div. Bien mettre dans comme un paragraphe. Salut le monde du web. OK. Ça va nous dire, on va venir utiliser un CSS. Par exemple, m'a pris les tags paiement. Ok. On va aller en board. Pour utiliser board, nous commençons avec Mosa qui c'est board. On dit 5 pixels. 5 pixels. Ok. C'est épais ces bords là, on dit solide. Ok, et puis ma bagne en couleur rouge. Oui. Voilà, ça c'est façon d'utiliser board. Additionner dans Git, Git add board, Git commit. Ok, qu'on y a nous voir ouais, comment nous capable utiliser CSS extend, ok? On a les listes touche et puis on a dit 0.3. Ok? Point html. Ok, vous carré le CSS extend. Point html. Ok, quand on a créé un dossier, un fichier CSS, on a pris le touche
style. CSS. Ça a une extension CSS parce que nous allons mettre l'élément CSS là-dedans. Ok? Voilà. Ok. Nous allons venir dans WhatsApp. Nous allons. Comment dire l'élément? Ok, CSS extend. Ok, CSS extend. Ok, nous avons CSS extend. Par exemple, nous avons vu Nikonia. Bon, on prend un style. Hein? Par exemple, si je ne copie pas de ça, je voulais faire une vidéo, mais écoute, ok. Par exemple, je mets là, ok. Donc, après, je vais marquer là, je vais H1, HD et puis P. Côté CSS, ok, style CSS, je vais venir pour ça, je vais faire H1. Comme il y a le même dossier, juste utiliser même CSS. Premièrement, ça m'a fait, je vais aller dans HTML côté je vais utiliser CSS. C'est dans CSS XN. Je vais venir dans la partie qui c'est aide. Je vais écrire ouvrir main inférieur. Et je vais écrire link. Je vais cliquer là-dedans. Et après, je vais écrire rel qui c'est référence style shape. Ok? Et quand je vais avoir un agar F qui c'est link là. Et puis, ma bail non dossier qui c'est style.css. Ok? Je ferme. Voilà. Là, je vais relayer les fichiers CSS. Quand il y a n'importe quel élément mis dans CSS, ça a bien rapport avec. Par exemple, je vais en couleur. Je vais m'ouvrir là. Ok, CSS XL. Ok? Je vais aller en couleur. Couleur. Ok, d'abord il y a rouge, garde du texte nice center, pardon, point virgule, texte nice, garde center, ni centralisé. Ok, si nous avons fait pour HDA, par exemple, on fait même pas la garde du HD, garde toujours quitter là, on s'en va en couleur, on dit color, bleu. Ok, si je veux faire pour paragraphe là tout, par exemple, je dis P, m'ouvre clé, je dis font size 12. Ok, mais on capable dire c'est 16, 18. Et puis, je vais en couleur aussi, je vais dire color. Moi qui couleur dans la vie. Je vais en couleur ça. Ok. Voilà. Nous allons comment utiliser CSS externe. Il y a trois façons d'utiliser CSS. Et inline, qui c'est dans le même tag là dans HTML. Et interne, qui c'est dans la partie guide. M'ouvre style et puis je vais mettre CSS. Ou bien, je vais faire externe. Mrele link lan nan page HTML mwen, ok? Nous souhaitons comprendre parti ça et nous allons additionner dans Git. Et on fait Git add CSS extend. À part de CSS, nous créons style tout, style.css, ok? On va additionner tout en même temps, ok? On va dire, on fait Git commit msm css extend html. Ok, qu'on y a nous voir comment nous pouvons utiliser ça nous relie table qui c'est table. Ok, n'a créé un champ de touche. Table.
HTML. Ok, nous allons voir comment nous sommes capables d'utiliser Tableau. Et nous allons faire un petit genre plus compliqué, ok? Par exemple, si nous venons dans la bracket. Ok. Nous avons le type. Désolé. Salut. Tebo. Ok. Pour nous créer un Tebo, premier ça n'a fait, écrit Tebo. Donc là, il est Tebo. Même j'en forme Tebo, ok? Il n'a pas un tableau noir là. Par exemple, en dit dans tableau, on a bien un TL qui c'est. Table y qui c'est ligne. On dit par exemple, n'a bien non et n'a bien l'autre TR c'est table ligne, table de ligne, n'a bien prénom. Ok, par exemple, n'a bien l'autre TR. M'a dit année. Ok, en considéré, nous t'avons bon, m'ouvrir. Ok, nous est jusqu'à maintenant, t'es bon, nous avons beaucoup paraître parce qu'il est beaucoup complet. Ok, en fermé. Pardon. Dis nous, me fait un erreur. Pardon, ok. Premièrement, et pour nous, t'es bon, on a écrit TD. On a écrit TL, c'est l'inon TL, ok, TL. Et en dans TL, là, on a bien TH, qui c'est titre. En attendant, on a écrit TD, qui c'est Table Data. Table Data, qui c'est table de données, ou bien table données, ok. On a écrit un TD, TD. Par exemple, on a écrit non. On a écrit un TD. Prénom. N'a bien l'autre TD. Qui a c'est année. Ok. Ça c'est un premier. Nous gagnons. Quand y a un an, par exemple, on cherche le vice-président d'Haïti. On fait là avec le vice-président, tout président passé à Haïti, ok? Ok, on fait par exemple, on a ouvert un autre TR. On a dit non, c'est des salines. Ou bien nous avons un président plus récent, ok? Duvalier. Duvalier, ok. TR. Pardon, TD, pardon. Bon, ça me fait là tout, TD. Ok, TD. François. Anéa TD, ça c'est Anneli, on a mis 1957. Premièrement, nous devons ouvrir TA.
tout ça à prendre dedans TA. OK. OK, nous avons un premier président, nous avons un deuxième président. Nous avons un troisième président, par exemple. Nous avons dit ça, c'est Nafi. Henri. 1986. Par exemple, là, nous avons Maniga. Maniga, ici. Par exemple, là, nous avons gagné Avril. Prosper. C'est 1986. Bon, faites ça. OK, nous allons voir comment il était. OK, ça, c'est tableau nous. Nous avons remarqué. Mais nous faisons remarquer nous non avec prénom année. Il y a même forme avec non mon yo. Ce titre, il doit être différent. Il laisse ce titre, nous écrivons l'autre façon. Nous écrit TH. Qui veut dire Table Hill. TH. OK. Voilà. Ça c'est tableau noir. Nous ka voir qu'on y a pas aucune forme. OK, nous pas bal forme. N'a vini là, n'a utiliser CSS noir là pour nous faire plus rapide pour nous finir vidéo là. Premier ça n'a fait et après le table, nous avons un board. Okay? Nous allons formater le table. Nous avons un board de 2 pixels. Solid. Black. OK. Point figure. Nous avons un gain forme. Nous allons faire bien. Ah, nous allons faire le bien belle, ok? Comme un bagage professionnel fait. Board. Nous avons utilisé board collapse. Nous avons attribué collapse. Ok? Nous avons une différence là. Nous avons utilisé width. Pour nous avons une largeur. Nous avons une largeur par exemple de 50%. La bo kipe 50% dans l'espace navigateur. Nou, ok, nous avons 50%. Ok. Ok, quand y a en utiliser TD, TH avec TD. Pour nous faire quelques différences là-dedans. TH, virgule TD. Nous allons utiliser même attribut pour OD. OD va utiliser même attribut. Nous allons dire board. Bord, 1 pixel, solid, ok, black. Point virgule, ok, nous avons bali qu'on a un padding de 5 pixels, ok, qu'on a nous avons bali un texte online. On est capable de centraliser, center. OK? Quand y a nous utiliser un attribut spécifiquement pour TH. On a pris TH. On a pris un background. Background color. On a pris un couleur qui c'est line gray.
Line gray. Voilà. Nous allons voir comment nous formater la table. Nous allons voir comment nous formater la table nous en bien légal. Il est de façon bien simple, rapide et pratique. Ok, mais si vous apprendre pendant la partie ça, et nous mettez fin dans la playlist ça, nous mettez fin dans la vidéo ça, et nous encourageons à continuer à assister. Nous allons venir avec une autre partie qui est plus intéressante, qui c'est côté nous allons enseigner Python. Et après, à la fin, nous allons monter un projet ensemble, nous allons développer un projet ça ensemble. Nous espérons aimer la vidéo ça, nous espérons réellement consacrer temps. Et qu'on a un nous à l'additionner dans Git. Ok? Git. Add. Table. Git. Commit. Voilà, nous avons fait ls, nous avons gagné tout les fichiers nous en dans dossier. Voilà, c'est toute partie ça nous réservé pour vous et qu'on a nous pas regarder en dans référence référence git nous, est-ce que nous gagne tout disponible. OK, nous avons nous gagne tout disponible. Qu'on a ou même qui a assisté vidéo ça va venir ou pas aller dans git en bureau chercher Ibenson Augustave. Ibenson spécialement qui c'est non user ou bien utilisateur moi, on va mettre link en bas vidéo. Cliquez là-dedans, vous pouvez venir là, faire code ou télécharger, et puis après, vous pouvez gagner dans la machine pour pratiquer, pour pouvoir lire le code nous créer. Ok? Nous espérons que vous aimez la vidéo ça. N'oubliez pas de liker, faire commentaire, et puis partager avec les amis pour plus de assister à la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle classe avec cours de programmation web avec Python et JavaScript. Ok? Non, pas M. Ibenson Augustave. C'est un plaisir. À la prochaine.